Air Caraïbes, Tipmat, Clara Automobile, M3. Le point commun entre toutes ces enseignes s'appelle Dubreuil. C'est le groupe familial et indépendant chez qui je vous emmène bosser aujourd'hui. Ça tombe bien, ils recrutent. Suivez-moi pour le début d'une longue série. Bonjour. Bonjour Géry. Bienvenue au groupe Dubreuil. Merci Paul-Henri. Alors, il paraît que le groupe Dubreuil recrute. Effectivement. Que tu as des jobs pour moi. Alors, j'ai pour habitude de me faire offrir un café, tu le sais. On commence par là ? Eh bien, on y va, Géry. Merci. Paul-Henri, merci beaucoup pour le café et l'accueil. Pour moi, ces moments de pause et de convivialité sont hyper importants dans le travail. Explique-moi ce que représente le groupe Dubreuil aujourd'hui. Ah ben, le groupe Dubreuil, c'est une longue histoire familiale, hein, puisque mon grand-père était épicier en gros à La Roche-sur-Yon. Donc, c'est une entreprise qui a démarré de la Vendée il y a un peu plus de 90 ans et puis qui, au fil du temps, a su s'adapter à ses différents marchés et s'est développée dans un certain nombre d'activités. Lesquelles alors ? Alors aujourd'hui, on est dans l'automobile, le matériel TP, le matériel agricole, les produits pétroliers et puis aussi dans le transport aérien. Donc, un groupe très diversifié. Et alors, quels sont vos chiffres clés ? Alors, chiffre d'affaires, on est sur 1,7 milliard, donc un chiffre significatif, quand en même. Chiffre consolidé de 2017, et on a franchi la barre des 4200 salariés au total du groupe. Bravo. Et alors, vos actualités en ce moment ? Alors, on a toujours beaucoup d'actualités dans le groupe. On a eu un fort développement en 2017, on va continuer en 2018, donc soit par acquisition de nouvelles activités, soit par développement organique sur nos filiales existantes, mais beaucoup, beaucoup d'actualités. Et puis au niveau social, on va innover avec un iDay, donc je ne sais pas si tu sais c'est ce que c'est. C'est quoi, non, un iDay ? Alors l'iDay, c'est une plateforme digitale d'innovation où chaque salarié va contribuer à de l'innovation en amenant des petites idées ou des grandes idées. Donc on va faire ça très prochainement dans le groupe et on attend beaucoup de cette expérience pour que chaque salarié puisse s'exprimer, donner ses idées. Donc, une boîte donc, à idées géante, une c'est boîte ça, à idées géante digitale, exactement. Et dans le même registre, on est aussi en ce moment sur un baromètre digital pour sonder les attentes de l'ensemble des salariés du groupe. Donc, tu vois, on est effectivement, on essaie d'innover socialement dans notre groupe. Il paraît que le groupe Dubreuil recrute en ce moment. Pour quel job exactement ? Alors, on recrute chaque année à peu près 200 CDI, hein, sachant que dans le groupe, c'est essentiellement des CDI et 90 alternants. Donc, on est très attaché aussi à la formation des jeunes. Dans les emplois principaux, donc beaucoup de commerciaux, donc d'accord, de vendeurs, voitures, matériel TP, matériel agricole. Donc, ça, c'est pour la partie commerciale. Et puis aussi beaucoup de techniciens, donc des mécaniciens, des techniciens supérieurs, des gens qui vont réparer nos machines, nos voitures, c'est important. Et puis aussi des carrossiers pour leur faire une beauté. Alors, tous ces jobs, moi, m'intéressent, mais j'ai besoin de savoir quel type, toi, de patron tu es. Bah écoute, j'essaye d'être un patron à l'écoute de ses collaborateurs, de ses patrons de filiales. Chez nous, chaque filiale, donc on a 25 filiales dans le groupe, chaque filiale est dirigée par un patron qui a les pleins pouvoirs. Je dirais que nous, à la holding, on est là pour l'aider à être performant avec ses équipes, en les aidant sur des sujets RH, juridiques, marketing. Mais c'est vraiment le patron qui emmène ses équipes au niveau de chacune des filiales. Et donc, à mon niveau, bah, j'essaye de faire en sorte de réunir les conditions de la réussite. Et puis, surtout, je pense que dans le groupe, on accorde une grande confiance aux collaborateurs à tous les niveaux, une grande écoute et j'espère aussi beaucoup d'autonomie. Et finalement, pourquoi bosser chez Dubreuil plutôt qu'ailleurs ? Alors, pourquoi bosser chez Dubreuil ? Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont assez heureux et épanouis chez nous, qui peuvent y faire carrière. On a eu beaucoup d'exemples de collaborateurs qui ont démarré à l'échelon, on va dire, salarié de base, et puis qui aujourd'hui, pour certains, sont patrons de nos filiales. Donc ça, on est très fiers de ces promotions internes dans le groupe. Donc c'est pour nous une belle réussite et c'est surtout la chance donnée à chacun de pouvoir s'épanouir et de réussir dans son métier. Et si moi, je veux intégrer ton équipe, quelle qualité il me faut finalement ? Bah écoute, déjà, il faudra que tu nous fasses un acte de candidature et tu pas nous problème. Enverras un CV. Mais je dirais que chez nous, au-delà du CV et des compétences, ce qui est important, c'est le savoir-être. Donc, effectivement, on demande à ce que les gens soient des gens honnêtes. Ça, je dirais que c'est la première qualité qu'on demande à nos collaborateurs, qu'ils soient travailleurs, parce que je pense que sans travail, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis aussi qu'ils soient curieux, donc qu'ils prennent de l'initiative, qu'ils soient à l'écoute de nouveaux marchés. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour nous aussi. Merci. Je t'en prie. À Vendée, c'est vrai que c'est notre terre d'origine, donc on est très attaché à la Vendée, mais aujourd'hui le groupe Dubreuil dépasse largement les frontières de la Vendée, donc je dirais que c'est plutôt Vendée au sens vendeur, le groupe est avant tout un groupe commerçant. Plutôt s'investir, puisque effectivement c'est l'investissement des collaborateurs qui est essentiel, et puis je dirais nous on accompagne à travers nos investissements, mais c'est avant tout l'investissement des collaborateurs qui est important.
Ah, écoute, je suis pas très foot si c'est du mondial dont tu parles. Par contre, dans les deux cas, il y a la France. Donc, sans être chauvin, effectivement, la France est notre territoire de jeu aujourd'hui. Donc, plutôt la France dans les deux cas. Curieux. C'est important, je le citais parmi les trois qualités importantes pour nos collaborateurs. Donc la curiosité, s'éveiller à de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités, c'est très important pour nous. Les deux, mon capitaine, on est avant tout des commerçants, mais c'est vrai que le e-commerce et le digital est aujourd'hui très important dans tous nos métiers. Donc on est à fond dans le digital, dans le groupe Dubreuil. Client, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour satisfaire le besoin de notre client. Bien fait en deux mots, c'est important que le travail soit bien fait. Les équipes avant tout, hein, on gagne grâce aux équipes, donc l'équipement vient après. Apprendre, je crois que la vie, c'est on apprend en permanence tout au long de sa vie, donc c'est très important d'apprendre. Paul-Henri, merci beaucoup pour la découverte du groupe Dubreuil. Je t'en prie, Géry, ce fut un grand plaisir. Je t'invite maintenant à aller visiter nos filiales et rencontrer tes futurs collègues. Merci beaucoup. Des jobs que je vais tester pour vous maintenant. À bientôt pour la suite de cette série. Ciao.